à vous les signes des scorpions. On va regarder ce qui va en être. Voilà. Deux signes aujourd'hui et ben deux signes d'eau. Allez, les scorpions ascendants et lunaires, ça va être votre tour pour ces énergies du mois de décembre. Petit changement, je vais vous parler des runes aussi. Pas beaucoup qui les pratiquent, je vais quand même vous aider avec ça. C'est ce qu'on appelle le chemin de vie au niveau des runes et comment faire pour pouvoir avancer. Donc, souvent les problématiques que vous pouvez rencontrer. Et ensuite, nous allons regarder par rapport à la triade ce qui va en être pour vous. Allez, on va regarder tout ça avec les runes celtiques. Qu'est-ce que les runes vont pouvoir vous indiquer, mes chers scorpions? Ascendant lunaire. Alors, vous aurez du mal à les voir, ne vous inquiétez pas, c'est pas évident. Alors, scorpion, ascendant lunaire. Les problèmes du passé. Ce qui conduit à vivre ce que vous vivez actuellement. Attention, c'est général, bien sûr. Prenez ce qui va résonner pour vous. Pour certains, ce sera au niveau professionnel, pour d'autres, au niveau sentimental. Alors, voyons voir pour vous les scorpions. Pour vous les scorpions. Ah. Ça a l'air de bien présenter à la fin. Je reviendrai là-dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà les scorpions. Toutes vos runes sont sur la table et c'est parti, on va toutes les retourner. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors. Bon, bah écoutez, on va y venir, mais c'est plutôt sympathique. Voilà. Alors le problème qui va être examiné à un moment donné pour vous les scorpions sur ce mois de décembre, on y arrive et en plus ça tombe bien, on va arriver dans 2024, donc c'est peut-être le moment de penser à certaines choses, à voir comment vous allez vous avancer sur l'année prochaine. En tout cas, les problématiques que vous pourriez rencontrer actuellement, maintenant, doivent vous montrer un certain chemin. Ce chemin avec... La huitième rune, hein, Berkano, c'est la victoire. On veut obtenir quelque chose. Vous avez envie d'obtenir quelque chose. Obtenir quelque chose, obtenir quoi? Moi, j'ai envie de dire, les scorpions, vous avez envie d'obtenir un changement de quelque chose par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Soit de remettre des choses en transformation. D'accepter le changement d'ailleurs, hein, parce que c'est que le passage, la transformation, d'accepter de changer quelque chose ou d'accepter les changements du passé. Peut-être que vous avez quelque chose de difficile à accepter parce que celle qui est à côté l'accuse. Vous avez du mal à vous laisser porter par le rythme de la vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à accepter. Il va falloir vous laisser porter par les choses ou vouloir trop contrôler les choses. Et à un moment donné, vous laissez porter pour ces changements, pour atteindre le changement. Mais on parle vraiment d'un changement pour vous. Vraiment, il y a vraiment cette histoire de transformation, de changement pour vous, les signes des scorpions. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Professionnel, sentimental, relationnel, tout. On parle vraiment de transformer. C'est peut-être de tout repeindre, hein, du sol au plafond, tout bonnement. Ou quelque chose qui peut être profond. Au niveau de ce que vous désirez ou des choses qui doivent être réglées. Peut-être que vous avez besoin d'autres choses, que vous n'êtes plus en phase avec vous-même et que dans votre vie, et qu'il y a des choses qui ont été trop compliquées dans le passé et vous en avez ras-le-bol. Vous ne voulez plus encore retomber là-dedans. Et bon, après, vous êtes un scorpion, un destructeur pour un régénérateur, pour régénérer les choses, Pluton étant votre planète. Voilà. Vous avez compris. Donc, vous êtes capable, largement, surtout que vous êtes capable d'avancer. Même si ça vous fait mal, hein, d'ailleurs, hein, ça a toujours été comme ça, les scorpions, même si ça leur fait mal, ils avancent. C'est incroyable. Alors, c'est une très forte qualité qu'ils ont, d'ailleurs. Très belle qualité. Alors, ce qui vous conduit maintenant à cette transformation de votre passé, ce qui va vous conduire à ce présent, ce que vous vivez là, actuellement.
Il y a quelque chose que vous vivez avec une nécessité. Vous avez besoin de quelque chose. Alors, on a vraiment, à un moment donné, avec nos 10, ça désigne des obstacles que vous pouviez avoir. Les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin actuel. Alors, des fois, c'est une fatalité. Des fois, quand j'ai envie de vous dire, quand la vie vous met face à quelque chose, bonne ou mauvaise, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, c'est une destinée. Mais des fois, il vaut mieux l'accepter. C'est un chemin d'évolution aussi. Quand quelque chose ne va plus, eh ben on veut transformer les choses, mais il faut peut-être du temps, mais il faut accepter la transformation. Toujours pareil. Et donc, on accepte cette transformation, on avance, on surmonte les difficultés, parce que effectivement, 10, c'est quand même celle qui surmonte, c'est la guerrière, celle qui va monter, qui va arriver à prendre, à faire ses avancées. C'est un niveau de conscience, en fait. C'est d'avancer sur les obstacles. Et ce qui est essentiel, d'ailleurs, justement. Peut-être que vous avancez sur ces obstacles-là. Il y a des choses qui sont en face de vous. Vous n'avez pas le choix. Vous y êtes confronté. Mais vous y allez. Vous y attaquez. Parce que vous savez que vous êtes obligé de passer par là, les scorpions, pour pouvoir avancer. Au niveau de votre professionnel ou autre, bien sûr. Parce qu'attention, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous dire que c'est. Comment dire? Que c'est. C'est pas orienté pour une personne. Mais je pense que les difficultés que vous avez là actuellement, vous allez les affronter. Vous allez passer au-dessus. Vous avez besoin de ça. Vous pouvez pas lâcher les choses. C'est pas possible. Donc, vous vous battez. Vous voulez avancer pour ça. Et effectivement, vous avez raison. Ce combat que vous menez actuellement est un combat que vous ne voulez pas laisser sur le côté. Alors, avez-vous raison ou non? À vous de voir. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez cette force en vous. Alors, actuellement, c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains, certaines ou certains, mais on voit bien qu'on veut transformer les choses. À un moment qu'on veut les transformer, on veut changer quelque chose, on veut bouger quelque chose. Et là, on se donne la force. On se donne l'instinct guerrier du scorpion pour aller dans cette direction. On le veut absolument. Donc, actuellement, ou sur le mois, c'était juste un peu avant, vous avez cette force qui vous accompagne. Elle est là, de toute façon, intériorisée. Il n'y a aucun problème. Pour moi, vous allez persévérer. Vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Maintenant, ce qui va vous donner certaines conséquences de ça, certaines choses où à un moment donné, vous devez comprendre les conseils que je peux vous donner, mais surtout avec la résultante. Alors, on est quand même sur deux choses importantes. Alors, mon premier conseil que je peux vous donner, c'est tout de suite, c'est de pas vous fermer aux autres. Surtout pas. Il va falloir être dans la communication. Parce que les scorpions sont assez taciturnes. Ils sont fermés avec eux, quand ils n'ont pas envie de parler, ils ne parlent pas. Au niveau de transformer quelque chose, si on parle de relation, par exemple, de l'amour, très compliqué d'avoir un scorpion en face qui ne dit rien. Alors des fois, ça peut être sympa. Quand la personne ne parle pas, voilà. On peut être content au niveau de la relation. Mais des fois, c'est compliqué quand il y a des choses à expliquer, quand on veut lever les choses, quand on veut avancer. Sauf que le scorpion n'a pas envie de parler. Donc il y a là, moi j'ai envie de vous dire quand même, mes chers scorpions, il va falloir avancer un petit peu au niveau de la communication, peut-être un petit peu. Participez plus sur certaines choses. Si vous voulez bouger quelque chose et avancer quelque chose ou transformer quelque chose, il faudra peut-être aller vers les autres, tout bonnement, ou éclaircir les situations, ou engranger d'autres connaissances pour pouvoir avancer. C'est quand même la rune de la conscience. Prenez conscience des choses, tout bonnement. Vous avez cette force, oui, mais toute la force humaine ne passera pas par rapport à tout. Vous réglerez pas tout avec la force humaine. Pas le 100%. Le psychologique est quelque chose.
Et donc, cette recherche d'éveil spirituel, vous en avez besoin. Ça tombe bien, c'est décembre, Noël, voilà. Mais vous avez besoin de, comme si vous avez besoin de soutien aussi spirituel. Donc, il ne faut pas le dénigrer. Ne soyez pas que dans la force. Soyez dans l'échange, dans la communication. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Alors après, on va parler des oises. Alors, l'oise qui est plutôt là, c'est la victoire. C'est la victoire. Et c'est d'arriver vraiment d'aller découvrir des nouveaux horizons. Moi, je pense que plus vous allez vous ouvrir au niveau psychologique, plus vous allez vous ouvrir aux autres, ou est-ce que vous avez besoin pour exister, les scorpions, plus vous allez persévérer et plus vous allez y arriver. Mais vous avez besoin aussi d'y aller, voilà. Mais vous pourriez hésiter sur certaines choses. Alors, sur un nouveau départ, comme je vous ai dit au départ, un nouveau voyage pour votre vie, peut-être que vous n'avez pas, vous hésitez encore. Au fond de vous, vous le voulez, mais au plus profond, ben, vous avez peut-être l'angoisse que ça ne va pas se faire, ou que ça va être très compliqué, peut-être au niveau sentimental, hein, tout bonnement. Maintenant, au niveau professionnel, avancez, avancez, mes chers scorpions. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental, professionnel ou relationnel, pour moi, c'est de bon augure. C'est vraiment de bon augure. Vous avez quand même des runes qui vous soutiennent, qui sont là. Dagaz est ici, en plus, qui vient vous donner l'éveil, la lumière, qui vous apportera l'harmonie. Donc vous êtes sur un chemin de transformation totale, Scorpion. Actuellement, il y a un combat qui se fait, que vous menez. C'est votre chemin de vie. Comprendre qu'il ne faudra pas tout faire par la force, mais aussi par le mental et par le spirituel, qui vous sera d'un très grand recours pour cette transformation. Et on parle bien d'y arriver. On parle bien de pouvoir vous en sortir. On parle bien, pour vous, les scorpions, vous avez une énergie qui peut vous conduire à aller sur le devant. Mais aussi, cette victoire ne se fera pas sans vous rappeler le passé. Mais il faudra le laisser derrière vous. Regardez bien ce que l'avenir va vous réserver. Et je peux dire qu'un nouveau monde vous attend, mes chers signes des scorpions. À condition de bien comprendre les choses. On va regarder tout de suite ce mois de décembre avec la triade. Alors, bien sûr, quand je vous parle comme ça, les scorpions, ça fait aube qu'on arrive en 2024. Nouveaux objectifs, peut-être, dans votre vie. Transformation profonde, vous voulez tourner la page du passé. En tout cas, faites-le, vous avez la force de le faire, mais je vous le répète. Recherchez aussi le côté spirituel de vous qui pourrait vous aider. Regardez. La naissance, le redémarrage. Allez, c'est parti pour vous. Voilà, redémarrage, voyez. Voilà, redémarrage, d'avoir une énergie, de stabiliser cette énergie, de vouloir à un moment donné reprendre quelque chose, reprendre un départ. Réexister, voilà, de refaire quelque chose, de repartir à zéro, de repartir à un démarrage, sur un commencement. Alors, ça peut être redémarrer quelque chose, mais démarrer quelque chose, tout bonnement. On ne sait pas encore quand, mais vous savez peut-être pas encore quand, mais redémarrer un nouveau cycle dans votre vie. Voilà, regardez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une question de renouer quelque chose, d'avancer. Une nouvelle chance pour vous, peut-être, de stabiliser ces énergies. Alors, les scorpions,
pour décembre 2023 au niveau des énergies, Scorpion, pour décembre 2023, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, c'est un petit peu de place. Allez, on va regarder tout ça. Voilà, le changement, il est là. Là, voilà. Là, ça ressort direct. Bon, mes chers scorpions, on ressort, je ressors des indications pratiquement de mes runes. Alors, à un moment donné, il faut savoir ce qui vous fait vibrer. Voilà. Parle quand même d'être à son écoute quand même. On a quand même son écoute. Voilà, on veut changer les choses. On veut faire un mouvement de quelque chose au niveau relationnel, amour professionnel. Mais quoi qu'il en soit dans votre vie, il y a quelque chose qui s'amorce. Vous avez amorcé quelque chose. Alors, peut-être avec une certaine lenteur, avec une certaine force. Mais de toute façon, il y a un changement qui a pu vraiment se mettre en place. Alors, il peut y avoir une instabilité qui est moins présente maintenant. De ce que vous vivez, parce qu'on parle de ce qui vous fait vibrer, cette fusion que vous aviez, fusion est ici, hein, les deux anneaux entrelacés, c'est peut-être aussi sentimental, parce que sur la fusion, l'amour, c'est le couple, les deux anneaux sont là, c'est le couple. Mais il n'y a pas que ça. Quand on fusion avec quelque chose, c'est quand on est en accord avec soi-même et quand on est en accord avec l'autre ou avec les autres ou avec ce que l'on fait. Et à un moment donné, il est question de collectif dans tout ça. Alors, peut-être vous avez fait appel à certaines personnes, des amis, pour faire comprendre certaines choses, de changer certaines choses, d'accepter une certaine transformation, d'arriver à cette fin de cycle, pour ceux qui sont dans ces problématiques-là. Aussi, on peut avancer, mettre des projets en place. Peut-être que c'est votre cas aussi. Ces changements que vous opérez sont peut-être par rapport à une relation. Est-ce que vous avancez un peu plus au niveau de la construction dans cette relation? Est-ce que vous voulez avancer un peu plus au niveau de retrouver quelqu'un? Peut-être que vous avez besoin de cette fusion, de reprendre quand même quelque chose. Et au niveau professionnel, c'est d'être en totalité, en accord total avec vous-même. Voilà. Et donc, vous avez peut-être opéré ces mutations. Actuellement, on parle à un moment donné de choses qui ne sont pas si négatives que ça. On peut aller chercher, alors pour ceux qui sont sur des projets hein, professionnels, on peut chercher ou des formations, on peut chercher un peu des conseils auprès des autres, d'essayer d'être, voilà, pour toute autre demande, hein, d'aller chercher des conseils, mais il ne faut pas oublier toujours que c'est vous qui êtes au centre de la décision. Voilà. Ce n'est pas les autres automatiquement qui pourront vous donner la réponse exacte de ce que vous devez faire. Vous pouvez écouter les autres, mais la dernière décision vous revient, j'ai envie de dire. Surtout que ça peut transparaître des négociations ou des issues qui peuvent être positives pour vous. Voilà. On peut être sur quelque chose ou en amour, si je parle un petit peu des choses, on peut être un peu confus sur certaines choses. Alors on essaye de se rassurer. Ça peut être ça. Au niveau du travail, ça peut être un nouveau contrat. Faire autre chose, discuter pour faire autre chose. Cette transformation, toujours, hein, qui est là, qui est assez présente. Mais il n'y a pas que ça, puisque de toute façon, ça apporte une certaine protection. On est sur quelque chose qui peut apporter, quoi qu'il en soit, les contrats que vous pouvez signer, les contrats que vous pouvez discuter, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau professionnel, sont quand même quelque chose à un moment donné qui peut vous permettre de vous réconcilier avec vous-même dans l'objectif que vous vous êtes mis. Alors, il se peut aussi pour certaines personnes qu'il y ait un retour de quelqu'un, et dans un cas comme ça, peut-être qu'il pourrait y avoir une sorte de réconciliation à venir. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui apporte un danger, hein, donc quoi que ce soit en ce moment. On est peut-être sur à se renseigner sur certaines choses justement pour signer certains contrats, certains engagements pour le futur, pour 2024, tout bonnement, que ce soit au niveau couple, au niveau professionnel. En tout cas, ça apportera la paix.
On est quand même sur une énergie qui est pas mal, quoi qu'il en soit, pour vous, sur le mois de décembre, les scorpions. La paix, la tranquillité, on l'espère, on veut le calme, on veut vraiment s'élever à un moment donné, passer à autre chose par les efforts que l'on fournit. Et je pense franchement que vous pouvez avoir un très très bon mois de décembre, des mois des énergies, décembre et janvier, profiter un petit peu des choses en mettant tout doucement des transformations, des changements en place. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Hein, et puis, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt avec moi, Dom Voyance. Une petite visite, si vous voulez, sur mon site internet, si vous avez besoin de mes services. À bientôt. Ciao.